Et coucou, c'est Créabilou, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo échange ATC avec la chaîne Le Scrap de Cathy. Donc elle avait mis sur Instagram une série d'ATC de Noël que je trouvais vraiment très jolie. Donc elle a accepté de faire avec moi un échange donc d'ATC. Bon, il y a de ça un petit moment, ça date de fin octobre, 31 octobre je crois. Donc pour plusieurs raisons, donc déjà elle a envoyé son courrier le 7 novembre et je ne l'ai pas reçu avant le 19 novembre, donc bravo la poste, 12 jours de réception, c'est pas cool. Et d'autant plus que j'étais en formation et que j'ai pas le temps de lui répondre. Donc je lui avais fait un petit message en lui disant que je ne l'oubliais pas mais que je le ferai dès que j'aurai fini ma formation. Donc voilà, donc je vous présente son échange ATC et je vous présenterai ce que je vais lui envoyer, qui devrait partir demain de toute manière. Voilà. Donc elle l'a envoyé dans une enveloppe. Voilà, de taille 2 à 4 là à peu près. Voilà. Et donc, alors attendez, je vais essayer de faire. Je l'enlève. Hop. Alors, on a une petite carte de Noël en forme de bocal, elle est trop jolie. Voilà, elle brille, elle glossit, avec un... voilà, c'est typiquement les couleurs de Noël, moi j'aime bien. Voilà, donc elle a fait, donc c'est une petite carte, je pense qu'elle a acheté toute faite, hein. Je pense pas qu'elle l'ait faite, mais c'est très bien, c'est très mignon. Voilà, et donc dedans il y a mon petit mot. Et donc, hop, je vais l'enlever, donc voilà, c'est en forme de bocal comme ça. Donc il y a mon petit mot, et puis voilà. Et donc il y a une petite pochette qu'elle a fait donc elle-même directement, hein, qui pareil, qui est un peu brillante. Donc j'aime bien les couleurs, c'est vraiment les couleurs de Noël que j'aime bien. Et donc elle a mis un petit texte en 3D là, juste pour toi. Voilà. Et donc quand on l'ouvre, on va trouver l'ATC. Voilà. Alors c'est vraiment. Alors j'avais craqué sur deux autres aussi ATC, mais elles étaient déjà plus disponibles. Voilà, donc il y a une petite image un peu vintage. J'aime bien avec trois petites filles. Il y a une petite découpe sapin, un nœud, des demi-perles, une découpe boule de Noël avec des strass. Et puis voilà, un petit texte en 3D. Merry Christmas, d'accord? Donc c'est le titre, c'est Noël. Donc elle l'a fait le 29 octobre 2018. Et donc c'est le scap de Cathy. Et donc c'est la 9 sur 10. Voilà pour son ATC. Donc il va rejoindre ma collection. Voilà, que j'adore. Donc dedans il y avait une petite découpe, un petit chat en mousse, voilà. Donc en fait ça a dû tomber, je pense. Et bien sûr, elle s'est pas contentée que de m'envoyer l'échange ATC. Elle m'a fait aussi donc une petite pochette avec tout plein de découpes. Donc là je vois un train. Donc le masking tape noir et argenté. Et puis voilà, donc je vais l'ouvrir. Hop, donc bien entendu, je garde le masking tape. Hop. Voilà. Hop. Ouh là là, c'est plein de super découpes. Hop. Hop. Alors, deux petites minutes, je fais pause, je reviens. Alors, me revoilà. Donc, au niveau des découpes, on a donc ben, une découpe tour Eiffel. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Très joli. On a une découpe train enfant. Donc, c'est très joli aussi. Alors, c'est bien parce que tout ça, j'ai pas. Un tag bleu avec les petits encoches pour mettre une photo ou une carte ou un mot, un petit tag aussi. Voilà. Donc on a des flocons de neige, rouge et vert. On a une autre découpe Paris
Donc bleu, on a des découpes écailles. Voilà, donc bleu, vert. On a donc un autre, une découpe pot, un bocal. Ah, celle-là, elle est superbe. Alors, celle-là, ça doit être un travail de fou à enlever tous les petits picots, mais vraiment, elle est très jolie. J'adore. Alors, ben, mes premières. Alors, je suis pas une experte. Hein, apparemment, c'est des Santoro. Hein, c'est marqué dessus. Je suis pas une experte de ce que c'est exactement. Je sais que j'en vois partout de ces petites figurines. Ben, c'est mes premières, donc je suis contente. C'est des tamponnages. C'est mes toutes premières. Je les trouve trop mignonnes. Alors, je sais plus si ça s'appelle. Ça importe un nom. Je crois ces petites poupées. Je me rappelle plus. Enfin, c'est la marque Santoro. Et ben c'est mes toutes premières, donc merci à toi Cathy. Et là, donc elle m'a mis des photos splendides, un peu vintage, mais vraiment très très belles. Il y en a encore une autre là, hop. Des gorgeous, allez, je crois que je me suis rappelé. Je crois que c'est des gorgeous. Dites-le-moi si je me trompe, hein, parce que je m'y connais pas grand-chose. Je les trouve toutes jolies, mais comme j'en avais pas jusqu'à maintenant, je crois que c'est des gorgeous. Regardez ces superbes images. Je sais pas où tu les as prises. Mais alors, elles sont vraiment super et j'adore. Vraiment, merci. Je sais pas, si tu les as découpées sûrement dans un livre ou je sais pas, mais alors elles sont vraiment très très belles. J'aime beaucoup. Donc merci beaucoup, tu m'as beaucoup gâtée. Donc merci, merci. Tout ça, c'est en plus des découpes que j'ai pas, des images super jolies. Donc il y avait le petit chat. Donc je vous remontre son ATC. Voilà. Qui reprend, voilà, donc c'est vraiment très très joli. Donc ça c'est pour ce que j'ai à voir. Je te remercie bien Cathy, j'espère qu'on refera de nouveaux échanges, peut-être avec un peu moins d'espace et de délai entre, parce que c'est vrai que avec ma formation c'était compliqué. Et voilà donc moi ce que je vais lui envoyer, donc ce sera dans une enveloppe hein, bien sûr, mais donc une petite carte, hein. Donc c'est les cartes d'un bloc de chez Action, des cartes déjà déjà faites. Le problème, c'est que j'ai pas du tout aimé les faire. Elles se déchirent. Enfin, c'est pas terrible. Donc, en fait, j'ai préféré me la faire à ma façon. Voilà. Donc, j'ai fait. Donc, c'est sur une carte standard, un peu dorée. Enfin, pas dorée, irisée, crème de chez Action. Un masking tape. Donc, ça, c'est le teint. Un petit ruban bleu. Voilà, hop. Et donc dedans, donc là il y a un petit mot, mais je vais le cacher parce que c'est pour elle. Hop, hop là. Voilà, donc en fait dans la première carte, donc elle s'ouvre comme ça. Voilà, hop. Et donc là j'ai mis donc une découpe de Papa Noël, donc bleu pour changer. Voilà, parce que c'est toujours rouge, donc j'avais envie de changer. C'était bleu, c'est un Noël givré, donc voilà. Donc à l'embossage, j'ai fait un petit tamponnage oh, donc embossé noir. Donc là, il y a Merry Christmas and Happy New Year. Donc là, j'ai fait un petit, voilà, un petit encarté pour son mot. Et quand on ouvre à l'intérieur, donc il y a des petites surprises hein, qu'elle verra elle. Et donc là, il y a donc une petite accroche du coup pour mettre l'ATC, et bien, la pochette ATC. Et donc voilà, une petite pochette un peu dans le même style qu'elle a fait elle hein, dans tous les cas. Et donc à l'intérieur, hop, il y a mon ATC. Voilà, qui reprend le Père Noël sous le sapin. Donc j'avais envie de faire du bleu pour changer un petit peu. Voilà, et donc c'est l'ATC du 25 novembre, bien sûr. Noël givré 2018. Et c'est le 1 pour 1, 1 sur 1, pardon. Donc spécialement pour elle. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça lui plaira. C'est un petit échange ATC comme ça. Alors, je suis preneuse pour d'autres échanges ATC, surtout particulièrement sur le thème de Noël. Je suis une grande fan de Noël, donc malheureusement, j'ai pas, voilà, j'ai un peu de retard donc dû à ma formation.
Mais je suis preneuse au cas où si quelqu'un est intéressé. Voilà. Ben écoutez, je vous fais plein de bisous. J'espère que ça, si tu passes par là, Cathy, j'espère que ça te plaira. N'hésite pas à mettre un commentaire en dessous. Ça partira demain au courrier. Donc on est aujourd'hui le mardi 27. Donc ça partira le 28 novembre demain au courrier. Donc si tout va bien. Voilà, dans tous les cas, je te tiens au courant par messagerie. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis bye bye et à bientôt pour de nouvelles vidéos.